les amis, bonjour YouTube. On est revenu sur Caillou de la pauvreté, parce qu'on est pauvre sur ce caillou. Et on continue notre périple de la... Comment dire ? Notre périple tropicien sur le jeu Tropico. Tropico elle-même. Exporter de l'or. Ah oui, j'avais dit que je faisais des cabanes. Haute et haute, ok. On a plus que 11 mois. Ça va être temps d'axe. J'ai bien peur qu'on se fasse virer de notre île et qu'on ait perdu la campagne. On verra bien tout ça. Mine d'or. Alors. Ce serait bien que ça s'excite un petit peu. Au niveau des exportations, ouais, la viande, ça va se faire. La première étape. Ouais, on reprendra 6 mois et 12 mois derrière, donc ce sera bien. Ce sera bien, bien, bien. Alors. Alors. Jusqu'à présent, nous coupions les arbres avec des ciseaux. Le principal problème. Alors, on a découvert la Syrie, on n'a pas d'argent pour l'instant. Donc on va attendre un peu. On a remis en place les impôts fonciers, les pots de vin n'ont pas suffi. Allez, exporte de la viande là. S'il te plaît, termine la quête. Sa très gracieuse majesté a fait partir votre remplaçant. Mais ce malheureux a été kidnappé par d'affreux pirates alors qu'il était en route. Je n'ai rien à voir avec toute cette affaire. Rien que l'on puisse prouver, du moins. Ok, donc il nous a donné une dernière chance de récupérer du mandat. Qu'on va en récupérer avec la viande, mais il faut absolument faire les quêtes, en fait. J'étais retardé par la construction, là, et ça n'a pas été super, super. Là, j'ai mon doc, ici, qui, voilà, qui a poussé. Déjà, on peut... Ouais, on n'a pas grand chose. Ah si, il y a les bananes. Les ananas. On va prendre les bananes. Parce que les ananas, on n'a pas la réputation pour. Alors la viande, ça s'exporte ou quoi là? Toujours pas, hein, ça a du mal. Ça a du mal. Bon. On remonte en termes d'argent, mais en termes de mandat, on est toujours juste. Viande des USA. Grâce à vos efforts, les mouvements révolutionnaires... Bonne nouvelle ! Deux tours gratuites, donc comme celui d'avant. Hop, ici. Bien joué ! Félicitations, c'est un pouvoir royal. Voilà, on l'a fait, on a gagné... Donc j'ai pris un opéra gratuit, simplement parce que l'opéra ça coûte une burne. Voilà, ici, et je vais faire la Syrie. Hop, hop, et hop, ici. Alors par contre, j'ai plus que 2 ans et 6 mois, il faudrait qu'il me redonne une quête. L'autre Tintin. Gouverneur. Ouais, les impôts ont encore doublé cette année. C'est pas foufou, hein. Donc là, ça se construit, c'est bien. Fin d'une route commerciale. De la laine, j'en ai pas. Du fer, j'en fais pas. On va prendre les planches. Parce que... Avec la couronne, comment ça se passe? 35, ouais, c'est pas ouf. Alors je vais juste baisser mon micro, ça va faire peut-être un bruit dégueu. Voilà, c'est mieux. Et
Et puis voilà, donc, on a bientôt fini notre pari de l'exportation minière. Donc l'opéra, pour info, ça coûte 3600. 3360, mais avec les réductions, ça fait 3600. Hop, et je vais faire un fort. Pareil, juste à l'entrée pour... Je peux le mettre là. C'est pas mal. Même si c'est un peu en diagonale, c'est pas grave, là ça comble, on peut pas mettre grand chose. Le gouverneur d'Isla Royo a réussi à faire jouer ses relations contre vous. Alors, il faut exporter. Au départ, toute l'équipe. Il faut exporter de la nourriture. Là par contre. Directeur, bon, s'il faut, j'importe des travailleurs, moi. Ok, bravo. Bien l'armée américaine. Hop, et re, un fort militaire. Un fort militaire gratos. C'est toujours ça de prix. Voilà, ici. Alors, je disais, au pire, ici, j'importe les travailleurs. Ça, c'est fait. Quête, normalement une quête de la couronne. Nos soldats sont peu nombreux. Oui. Il est grand temps que je... Bon, on a réussi la quête. C'est assez facile. Il n'y a pas besoin de déclarer indépendance. Et donc, on va retourner sur Caio de Fortuna pour faire la suite de l'histoire de notre cher Presidente. Mes chers tropiques, aujourd'hui, un nouvel ennemi vient menacer mon mode de vie, ma liberté et mes réserves stratégiques de bananes. Sans la moindre provocation, Isla Royo a déclaré la guerre à notre nation. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, Tropico. Nous ferons face à cette menace tête haute et nous l'emporterons. Nous défendrons nos côtes et nous l'emporterons. Tout comme nos lamas, nous crachons dans l'œil de l'ennemi qui trépasse. Nous l'emporterons. Viva Tropico! Ok. Alors. C'est ce que j'avais mis et je vais le laisser comme ça. Alors avant toute chose, avant de me faire attaquer, il faut absolument que je mette un lycée. Et une université, puisque j'aurai pas de travailleurs. J'aurai personne pour travailler dans mes forts et je vais me faire des boîtes. Avant que j'aie le temps de dire ouf. Là j'ai quelques travailleurs donc ça va. Mais c'est pas foufou, je vous l'avoue. Alors, les recherches. Ambassade, électricité, aciérie, base militaire, cale sèche. Et ensuite, jargon, bonne manière, socialisme et généraux. Bien. Voilà, je me fais attaquer. Par les autres Tintins. Votre règne profain. Viva el presidente. On va se faire des boîtes, je pense. Ah non, il y a la milice. Oui, c'est vrai que j'ai mis la milice. La milice vient nous aider. Bon, on va accélérer tout ça. Parce que sinon, la bataille va mettre 15 ans. On va perdre, je pense. Hein. C'est sûr. Rendez-vous et vous serez épargnés. Et nous combattrons sur les plages. Bon, j'espère qu'on va réussir à les tuer. Je pense pas. Je vais importer du monde pour travailler dans le lycée. Alors, des ananas ou du sucre. Je vais travailler avec les alliés cette fois-ci. Plus 10% pour faire plus d'argent. Il me rase mes bâtiments lui. Salopard. Qu'est-ce qui m'emmerde, c'est ouf. Il se la rouille de mes deux.
absolument que je recrute pour l'armée. Ça ira plus vite pour les étudiants. Et rase-moi mon fort et on n'en parle plus. Et nous combattrons sur les plages. Ouais. Bon, au moins, on n'aura pas perdu le reste. C'est déjà ça. Les troupes d'Isla Royo attaquent votre nouveau pays indépendant. Ce conflit... Ok. D'après votre tout nouveau chef... Tout reconstruire, donc on a perdu 14 000. Merci Isla Royo. Donc là, pour protéger le palais... On va en mettre 6. De toute façon, les étudiants se font. Alors, altruiste, augmente les points de recherche. La fac à Tropico. Oh, les meilleurs souvenirs de la fac. Une fois, on a rasé le derrière d'une chèvre. On l'a scotché sur le mât du drapeau. Et on a mis le feu à l'université pour illuminer la scène. Ne faites pas ça chez vous, hein. Ne faites pas ça. Clairement, c'est déconseillé. Faut mieux éviter. Mettre le feu à une chèvre. Alors. La caserne, tant que j'ai pas d'étudiants. Je peux. Reforestation. Voilà. J'aurai plus d'arbres. Les arbres vont repousser. Du coup. Non. Pas mettre de mine. Camp de bûcheron. En deuxième. Deuxième ici. Juste aller explorer ici pour savoir ce que c'est. Alors. On n'a pas assez de travailleurs, c'est normal. Quinze étudiants max, quatre étudiants, ok, on est bien. C'est des diplômés de lycée, ok. Très bien. Les docs toujours à fond. Ça se passe bien. Hop, on peut moderniser les maisons. Au moins une partie. Option prioritaire. Alors, juste, on va refaire. Je vois que Tropico est en train de devenir le paradis tropical qu'il est censé être. De plus ça. En plus de gens abandonnent la vie agitée de la ville pour vivre dans des cahutes en pleine nature. Ah, bien vu les gars. La plage est assez large pour tout le monde. Et mon bar est ouvert toute la journée pour satisfaire vos besoins matériels. On parle un peu beaucoup elle. Hop, augmenter la bouffe, la qualité de la bouffe. Alerte, Presidente. Ouais, on a découvert l'ambassade, c'est bien. Réduite. Ok. Là, on est mieux. Est-ce qu'on peut améliorer ça? Toujours pas. Hop, les points de recherche se génèrent plus vite. Hop, on les passe en escadron de la mort. Cinq travailleurs diplômés. Hop, l'université produit des points de recherche. Ça c'est bien, ça va faire nos recherches plus rapides. Et j'ai rien fait en commerce. Alors, poisson. Banane, oui. Bijoux, j'ai pas découvert. Yes, oui, fourri. Alors, les rebelles attaquent et on se fait des boîtes.
C'est tout ce que vous savez faire. Tape à 60. Et moi je tape à 44. Alors on va faire un décret. Manœuvre militaire. Voilà. Comme ça, on va les écraser. J'ai oublié de faire ça tout à l'heure en fait. Ici, je peux la démolir. Ça sert plus à rien. J'en ai deux là-haut qui reforestent. Voilà, reforestation. Bon, les gars, fini la rigolade. Tout le monde s'est bien amusé. Il y a eu de jolis tirs, des exclamations sympathiques. Et si vous n'êtes pas mort, en prison, ou les deux, venez au Jolly Roger pour enterrer la hache de guerre. Le Jolly Roger. Celui-là, je pense. Alors, inventeur, point de recherche, efficacité proportionnelle. Ok. On va mettre un inventeur. Ça fait des points de recherche en plus. Hop, arme moderne. Ici aussi. Quel formidable! Sur les tourelles, on peut mettre la mitrailleuse. Donc là, on a mis plus de 10 000 dans l'armée. Une quête. Notre mentor, Léon Kay. Avoir deux bases militaires, ok. Très bien. J'ai pas découvert encore. Donc ça va être compliqué. Mais on les aura. Alors, vous. On a dit ici, en riche. Il y a du monde dedans, donc c'est pas trop cher. 4 sur 4, ok. Donc sûrement qu'il reste de la place pour les riches. Hop, hop. Hop, hop. Et voilà. On refait des maisons de riches pour qu'ils payent un gros loyer. Et que ce soit rentable. Presidente, les tropiquiens attendent les élections l'année prochaine. Ils veulent... Ok, alors, s'occuper de la satisfaction. Divertissement. Les finances de l'État étant au plus bas, certains analystes pensent que les choses ne peuvent que s'arranger. El Presidente a fait savoir qu'il autorisera les choses à aller mieux quand ce sera le moment pour Tropico, et pas un jour plus tôt. Alors, les postes de police, il en faut un ici. Il y a quoi d'autre dans le rouge? Là, ça craint un peu du pâté. Donc ça, ici, nouvelle quête. Un drôle de gars. Un bâtiment religieux. Pas assez d'argent, attendre que ça s'exporte. Ça va le faire. Voilà. Je peux construire une église. Côté des tours de garde, ça le fait pas trop, mais tant pis. On peut mettre des restos. Alors. Là, ça va m'encombrer. On va mettre un ici. Pas la place là. Un ici. Et un là. Pour augmenter un petit peu. Alors, on peut aussi aller exporter un peu. Là, j'ai besoin d'argent. Allez, l'argent. Voilà. Mettre les rations gratuites pour augmenter les personnes qui votent pour nous. Je suis furieux. Je n'arrive pas à croire ce qui vient d'arriver. Saloperie de rebelle. Le monde est en guerre. Avoir une base militaire, donc bon, la quête se fera. Ils vont se faire des boîtes. Ils se font tirer dessus de là-haut. Notre équipe en charge de la... C'est bon, on a débloqué la Syrie. C'est le début de la richesse. Ici. Ok, il faut 10 000 quasiment. On a déboîté les rebelles. Hein.
comme d'habitude. De toute façon, voilà la Syrie. Voilà, c'est bien. A pollué les champs, mais Osef. La trépitante vie amoureuse de votre... Nouvelle église. Tiens, ça tombe bien. Hop, je la mets en prioritaire, ce sera fait. Alors, cigare, non. Acier. Je sais pas ce qu'il faut. Banane, poisson, poisson. Ajouter. Je rajoute et j'aurais peut-être accès à l'acier. Toujours pas. Toujours pas d'accès à l'acier. Bon, tant pis, j'ai mis deux routes commerciales. De merde. J'ai du poisson. Peu importe. Peu importe. Oh, purée, c'est rempli, hein. La population riche de tropicaux. L'ordre a obtenu pour vous la signature. Exporter des rondins et des planches. Ça, c'est déjà en cours, il n'y a pas de souci. L'église, elle pousse. Alors. Mes petits amis, comment ça se passe? Nous avons une chance d'influencer les réseaux. Donc sans tricher, ça devrait aller. À la naissance de l'héritier, tous les animaux se turent. Oh mon dieu, qu'elle est moche. Elle est bien moche, hein. Allez, c'est bien moche comme ça. Nous savons les résultats des élections. 67%, c'est très bien. On va construire une ambassade. Ah, j'ai une fabrique de textiles. On va recommencer à faire quelque chose ici. Hop, priorité à l'acier. Du coup, je vais pouvoir commencer la mine de fer. Charbon. Et fer pour faire de l'acier. Voilà. Le fer, il est où? Presidente, nous ça. On a débloqué les bases militaires, c'est très bien. Voilà, le fer. Hop. Hop. Quelle saloperie de route de merde là. Que vous savez très bien que j'adore les placer. Voilà. Alors là-haut, on va y mettre un parking pour que les monsieur y râlent pas quand ils vont bosser. Allez, monsieur, monsieur, mesdames. Voilà. Donc là, ça sera fait. Ici la mine de charbon. Je pense qu'on peut rajouter un bureau des routiers. Ici. Là on va garder ce coin là en mode friche. Je peux pas explorer, j'ai plus d'argent. Bien explorer ici pour que je sache ce qu'il y a dans la mine. Voilà pourquoi j'avais gardé mon fer. C'est-à-dire qu'en fait le gisement on peut pas le voir maintenant parce que c'est pas construit, mais il a une limite de minerai. Et si vous tournez dessus pendant les premiers épisodes, vous allez gagner de l'argent, certes, mais vous allez l'assécher. Et vous allez être obligé d'importer du fer et du charbon dans cette période-là. Et donc c'est pas bon. Pas bon du tout. L'ordre a des contacts partout. Ok, on va payer.
Alors, par contre, j'aimerais bien que niveau commerce, importation de tabac, de la bauxite, cigare, j'en ai pas. Ouais, j'ai plus de bateau de toute façon. J'ai plus de bateau. Là, en priorité, on va refaire deux docks. Un. Et deux. Alors, super pour placer les routes. Je peux pas relier ici. Ouais, c'est le moins pire de ce que je peux faire. Puis on refera des habitations. Voilà. Voilà, on est bien lancé. Bon, la Syrie est toujours pas... Constructeur, ils ont pas du mal. J'ai scientifiquement prouvé la supériorité de la... Présidente, après de... Voilà, Calcège, donc on a découvert toute la map, et ça c'est cool, donc j'ai perdu 1000 pour rien ici. C'est pas très très grave, on a re du charbon, à 150 000, on a de la bauxite ici. De l'or, 30 000 d'or, on a une ruine ancienne, pour faire du tourisme. De l'or, oh non, fer, or. Uranium, uranium. Bauxite, fer, et la fer qu'on connaissait déjà. Ok, on n'est pas trop mal. Alors, toujours pas construit. Ah oui, j'allais dire, elle fonctionne pas. Elle a pas de matériaux, elle peut pas fonctionner. Sans matériaux. Bon, et eh ben écoutez, on est à 20, 28 minutes à peu près, je vais jusqu'à 30 et puis après on arrêtera. Peut-être pas 30. Profit 30 000, on est vraiment bien sur les planches. Mm-mm. 71% de satisfaction. Sécurité publique c'est bien, alors divertissement j'arrive jamais à faire quelque chose de convenable, mais pas trop le choix. Je vais remettre un petit resto ici. On va mettre un cabaret dans un coin luxuriant. Voilà pour les riches. Alors nouvelle constitution. Démocratie, pas de soulèvement. Enfance heureuse. La police de Tropico a une nouvelle maison. Agent Mendes, la fouille au corps, c'est quand tu veux. Programme des visas. Voilà. Je les garde en souvenir, mais si t'en as besoin, je te les échange contre ta casquette. Faire venir des citoyens qui sont diplômés. Et maintenant, j'ai oublié en plus. On va pouvoir mettre les cliniques. Qui va réduire le taux de mortalité. Et surtout, qui va augmenter la satisfaction. Hop, priorité. Ah, quand les deux cliniques là seront faites, on arrêtera l'épisode, les trois. Allez, trois. On arrêtera l'épisode pour voir comment la satisfaction augmente. Le mois d'après, vous allez voir, c'est phénoménal. Voilà. On peut rajouter une petite route qui sert à rien. Là, c'est un champ de maïs. Là, c'est efficace. Ouais, il n'y a pas beaucoup de lieux pour les champs de maïs. Ouais, parce que j'ai bien envie de le détruire, mais il n'y a que là, quoi. Bon, j'ai pas le choix. J'ai pas trop le choix. Alors, les cliniques, elles se construisent. Faut que je vienne les construire moi-même. On va remettre un bureau des chantiers, je crois. J'en ai pas un dans le coin, là. Ah, j'en avais pas refait, c'est pour ça.
La sauvegarde automatique à 2 secondes avant la fin. Hop, j'accélère pour que ça se construise plus vite. On prend la nouvelle quête. C'est une période faste pour les... Hop, on la réalise tout de suite. Ah, j'ai la cale sèche. Je vais faire la cale sèche avant. Qu'est-ce qu'on ferait avec des cliniques? Faites-vous en pousser une paire, les gars! Une fois, j'ai marché sur un oursin. Bah, j'ai pas eu besoin de clinique. Et quand un lama m'a attaqué pendant que je retirais l'oursin, est-ce que je suis allée chouiner à la clinique? Et quand j'ai dû courir dans toute l'île, poursuivi par un troupeau de copains du lama... Camarade Presidente. Construire une clinique, tant mieux. Alors... J'ai bien mis en construction la priorité élevée, quand même. Ah, ça y est, c'est parti. Ils ont mis le temps, mais ils sont partis. Là, je suis déjà à 75% de satisfaction, c'est énorme. Hein. Pour la clinique. Hein. Pour juste une clinique, je crois qu'il n'y a qu'une clinique qui a poussé. Hop, on va augmenter le taux de natalité de l'île. Résultat de notre... Et là... aussi. 78, hein. 3%, c'est énorme pour une clinique. C'est vraiment énorme. La santé, on est à 19. Et plus on va monter, plus ça va être fou. Ça va être fou, fou, fou. Alors ça, c'est la satisfaction des votants, il faut pas oublier, vu que je crois que j'ai mis vote des hommes. Voilà, c'est que les hommes qui comptent. Mais bon, peu importe. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un abonnement, un commentaire si j'ai fait une connerie, comme d'habitude, si vous pensez qu'il y a un truc qui peut être mieux. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.